Television, un média communautaire et commercial. Tous les samedis et dimanches, 8h du soir, sur Télé Anacaruna, Rangé Chita, pour venir regarder Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale de tous les Haïtiens. Interview avec Atisio, promoteur fanatique culture haïtienne, et reportage précis sur la vie sociale des Haïtiens en Haïti et en diaspora. Roupi Culturel TV Show, chaque samedi et chaque dimanche, 8h du soir, sur Télé Anacaruna, avec Roupi. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous content, Abdou, bienvenue dans Roupi Culturel TV Show. Non pas monsieur Kamel de Onsre, soit regardez la, ou regardez Télé Anacaruna. Nous content pour nous entrer la caillou avec Chosa. Ça nous pote pour journée jodi a, dans nouvelle culturelle nous pral parler près de $200,000 qui débloqué pour aider artisanat en Haïti. Et puis dans panorama social, côté que nous pral parler de plus de 500 000 applications sous programme tout haïtien le programme Biden nan. Et puis dans dernier partie a, nous pral parler de trois nouvelles lois en Floride côté député Mary Hudson a venir plus de détails pour nous qui j'ai affecté haïtien. An pon ti pose tout kout, nap tonne talè. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954 765 6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offrit le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride, ou qu'après classe, relez pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 6919. Online sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduent dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Nous apprécions, amis téléspectateurs, d'être ensemble avec nous dans Roupi Culturel TV Show. Première information culturelle que nous avons pour vous, nous parlons de $280,000 qui débloqués pour aider l'artisanat dans le pays d'Haïti. En suivant vos reportages pour plus de détails. C'est le ministère de la Culture et de la Communication qui annonçait que le projet de soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles puis au capable de sauvegarder l'artisanat haïtien dans la zone ça, l'arrivée approuvée dans date 5 juin 2023 par le Fonds du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Annonçant l'arrivée faite officiellement dans 18e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans siège UNESCO dans ville Paris, capitale pays la France. C'est une enveloppe de $280,092 du Fonds du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui pourra la permettre de sauvegarder la tradition du fer découpé au village de Noailles dans le pays d'Haïti.
Projet SILA a supposé réaliser sur une période de 3 ans et il visait à assurer la continuité et la durabilité de l'art du fer découpé dans zone quoi des bouquets. On a signalé que l'agence a pral articulé autour de 4 axes. C'est un projet de sauvegarde du fer découpé qui pral permettre premièrement à artisans puis capable reprendre la pratique et de transmettre l'art du métal découpé en situation d'urgence. Deuxièmement, il pral renforcer les capacités des artisans, la structure de la communauté. Troisièmement, il pral développer de nouveaux canaux de diffusion puis capable assurer aux artisans des ressources qui pour permettre qu'ils soient capables de faire face à des situations d'urgence. Et puis tout, quatrièmement, ils pourraient sensibiliser le patrimoine culturel immatériel du métal découpé, puis ils sont capables de faire promotion de l'I en Haïti et à l'étranger. N'a pas signalé que le ministère de la Culture et de la Communication l'y réitérer une autre fois encore engagement pour le capable travail à la sauvegarde des éléments constitutifs de l'identité nationale. Non pas M. Oupé, pour RP TV. Pierre Tax Group, Tarmé, faut qu'on ait que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Pingou Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la file taxe pour nous toutes qui dans 50 États aux États-Unis. Relais 954-362-5199 pour file taxe comme ça doit. Pierre Philanthrope, il y a plus passé 25 années d'expérience dans file taxe personnel coup business et il y a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de University of Florida, qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra École Business Award de Miramar Pingou Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute, qui est un titre offert à Enroll Agent, CPA, avec avocat pour représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui paraît pour fil taxe face à face ou bien virtuel pour quel que soit état quoi vivre aux États-Unis. Messieurs, dames, saison taxe à l'ouvrir, confiez taxe 8 à nous à un expert. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group qui est dans 15800 Pines Boulevard dans suite 304 Pingou Pines Florida dans Hampton Business Center. Website pierretax.com, téléphone 954-362-5199. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, ou file taxe comme ça doit devant la loi pour Kadomi Kimbozé. Bienvenue dans Panorama Social, côté que dans segment ça nous porter tout ça qui a passé pour vous dans milieu social là, même si c'est Haïti, même si c'est dans diaspora. Journée jeudi à nous pral parler de programme tout haïtien, le programme Biden. Et bien programme ça a gain plus de 500 000 applications. On suit un reportage pour plus de détails. Depuis le lancement le 9 janvier 2023 du programme humanitaire de séjour conditionnel que relais Humanitarian Parole, qui a une durée de 2 ans avec permis de travail pour moun qui bénéficiaient de opportunité ça, et bien programme ça que en pile haïtien relais programme Biden non, d'après information que nous rivé joindre aujourd'hui à amis téléspectateurs, les États-Unis déjà recevoir plus passé 1.5 million de demandes de personnes qui espéraient rentrer aux États-Unis dans 4 pays bénéficiaires. En parlant de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Selon Service Citoyenneté avec Immigration des États-Unis, qui est une agence du département de la sécurité intérieure des États-Unis, c'est Haïtien qui en tête dans demande de rentrer aux États-Unis. Il y a 580 000 dossiers haïtiens en attente, soit 5% de la population totale d'Haïti. En deuxième position, c'est pays Cuba, avec 380 000 applications. Ensuite, Venezuela, plus passé 120 000, et puis tout, Nicaragua, plus passé 20 000. N'a pas signalé que actuellement, gagne plus passé 100 000 migrants de ces 4 pays qui déjà arrivaient aux États-Unis, selon ce programme de parrainage. Augmentation massive des demandes crée un important retard avec une pression considérable sur les agents de l'immigration aux États-Unis. Il était prévu gagner 30 000 demandes par mois pour ces 4 pays, alors que à la vérité, il gagne plus passé 12 000 demandes par jour, selon toute information. Il est important pour ajouter que de janvier 2023 pour arriver avril 2023, il y a 39 000 ressortissants haïtiens qui arrivent approuvés dans le cadre du programme humanitaire président Biden. D'après information qui communiquée par un fonctionnaire département de la sécurité intérieure des États-Unis qui portait dans Louis Miranda, qui était rencontré la presse récemment, lui fait connaître que programme humanitaire là, programme Biden là, l'a marché très bien dans les 4 pays que nous citons bio déjà. Programme humanitaire là,
d'après ça que fait connaît Louis Miranda, lui précisait que il y a 39 000 ressortissants haïtiens qui déjà approuvé parmi là dans 29 000 déjà rentrés aux États-Unis. Au sujet de un pile monde captain et qui paco recevoir aucune indication de application yo, Louis Miranda lançait des mots d'espoir, lui précisait que il y a plus d'applications qui ont été comprendre. Par conséquent, il y a besoin plus de temps pour être capable de traiter le dossier. Puis devant, il a ajouté que le programme a bien marché parce que l'idée du programme c'était réduire le nombre de personnes qui ont poté tête au vini à rebord frontière les États-Unis et Mexique. Il fait connaître que si en vent, il y a plus passé 10 000 monde par jour, aujourd'hui, c'est 4 000 applications par jour qui a traité. Ça veut dire que le programme a marché d'après ça, il fait connaître. L'important. Amis téléspectateurs, pour nous ajouter que gagnent plusieurs États républicains qui étaient relés devant la justice, le département de la sécurité intérieure des États-Unis pour programme humanitaire là, ça nous relait programme Biden. Comme nous connaissons, gagnent 20 États américains qui dirigés par des républicains. États ça c'est Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Caroline du Sud, Tennessee, Utah, Virginie Occidentale avec Wyoming, État Sahel qui est dirigé par des républicains, yorele devant la justice, le département de la sécurité intérieure des États-Unis pour programme Biden qui est jugé illégal. En temps normal, c'était le 13 juin 2023 que la décision du juge conservateur Drew Tipson était supposée venir. Mais cependant, les deux parties en présence, qui dit donc les 20 États américains républicains ainsi que le département de la sécurité intérieure des États-Unis, yo entendio puis yo capable fixer une nouvelle date pour la communication des pièces justificatives au 29 septembre prochain. Par conséquent, il plus semblé que c'est dans le mois d'octobre 2023 que capable gagner un verdict final concernant programme Biden. En attendant, rien pas changé, programme a continué normalement et il y a plusieurs organisations qui défendent droit réfugiés qui a fait pression sur l'administration Biden pour que programme soit capable continuer. Non pas M. Roupi, pour APTV. Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout business doit faire pour continuer à exister. Quitte un business qui fait l'ouvrir, quitte un business qui l'a depuis dix dans le temps, quitte un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Roupi Production Television Network. Relez 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Roupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différents dans la plateforme locale, nationale et internationale. Fait publicité pour business ou kalaché. Dernière information nous portons pour vous, amis téléspectateurs, dans Roupi Culturel TV Show, eh bien, député Marie Hudson, dans micro nous, li pral parle nous de trois nouvelles lois en Floride qui ont affecté nous mêmes haïtiens. En suivant ça. À partir du 1er juillet, année 2023, il y a trois nouveaux lois qui pourraient entrer en application dans l'État Floride qui sont listes pour affecter la communauté haïtienne. Pour édification, téléspectateurs, nous avons rencontré avec le député Marie Hudson qui a expliqué une après l'autre loi Sila. Une là, c'est loi sur immigration, côté que le député n'a pas aimé la loi, mais n'a pas le choix. Comme haïtienne, comme immigrant, comme monde qui sorti dans un pays qui parle aux États-Unis, m'a pas aimé loi. Loi pas bon du tout et m'a dit pour qui raison que loi pas bon. L'homme garde loi ça m'a garde loi ça quand son loi que nous mettez, l'homme dit non parce que me fait partie de état Floride là tout le monde qui responsable même pas de voter, me voter contre loi. Ça fait moi loi ça pas bon. C'est quand nous rentrer ici et puis n'a fermé porte pour nous dire l'autre pas qu'il doit entrer. Je comprends que les États-Unis ne peuvent pas prendre tout le monde qui a voulu rentrer. Mais le monde est là déjà. Et ce n'est pas en vacances que vous venez ici. Vous avez fait la persécution, vous avez fait la pauvreté, vous avez sorti, quitté tout le bagage, le kidnapping, le rape, tout ce qui passe en Haïti, vous avez violé le monde, vous avez kidnappé le monde, tout le bagage. Ce monde, ce n'est pas en vacances que vous venez. Therefore, les États-Unis sont un pays qui est built sur immigrants et nous connaissons tout le monde, trois cas qui sont
chambre des députés en Kishita k'ap voté pour loi ça yo tout sorti non pays l'autre côté yo gen parent ou qui illégal yo gen famille qui illégal so pour moi même passer loi ça c'est pas une loi qui juste du tout loi ça très important pour moun yo konnen état Floride là gen presque 300 000 moun k'ap travay nan jardin qui bay tout moun manje kounya la yo pa fouti joine moun qui vous travaille dans jardin parce que tout monde a caché pour être loi pour pas gain problème. Ça c'est une deuxièmement loi ça si par exemple ou même là au sorti dans état Floride là, les chez on parle Georgia ou bien on parle New York ou gon monde dans machine qui est légal, yo ka arrêté ou prend prison et ou gain fine tout pour payer même avec monde qui est légal là. En deuxième partie dans loi ça qui gain si un monde pas légal ou à l'hôpital yo mandon information si vous légal sou pas illégal ça veut dire que un monde qui connaît l'illégal même le ta malade li pa pa le chercher chemin l'hôpital petite li ta malade la peur à l'hôpital là pour aller et ça crive dans situation ça si mon nan gon bagay ki ka transmettre à ou même mon maladie que le ka transmettre le ça l'a mettre tout monde en danger tout parce que le pa ka joine soin pour quand pour le covid là li pa ka joine soin que le besoin le ça ni ou en danger ni moi en danger. Loi ça son loi qui très très pas bon ça passé à au lieu nous cherchons gens pour nous ranger border a, ou bien pour nous mettre en parfait tout citizenship pour mon yo Kevin citizen pour nous chercher OK mettre immigration dans point que ta doya n'a hurt mon cap vivre dans pays a là. C'est une loi qui très critique et m'ta souhaiter tout monde ouais loi ça yo fait on bagay parler avec l'autre pour dire qui j'en vote yo très important loi voter c'est pour voter pour monde on connaît qui cher même value qui a même value avec qui pas faire l'autre innocent méchanceté parce que c'est comme ça m'relel mettez tête en place au monde qui est légal c'est pas faute li c'est bagay la courir qui t'était pas gen monde qui t'a vle venir rester dans l'autre pays ou même on t'a content pour être en Haïti moi même m'a servi dans état Floride là m'ta content pour m'être en Haïti pour me servir pays mais non pas capable so pour qui ça n'a pas pension l'autre qui t'est ca venir qui pas même qui est ca venir qui l'a déjà n'a fait vie faire vie en plus difficile pour yo so grand pile bagay encore que t'est ca passer sous loi but n'a prêté là pour ça parce que me connaît ko ka gros l'autre question soit fait ou t'est dit moi pas le demander encore. L'autre loi qui soulise pour entrer en application dans l'État Floride à partir du 1er juillet 2023, c'est une loi sous poté ZAM. Député Mary Hudson, pas de voter pour loi ça, mais cependant, c'est une loi qui est capable d'un gros impact sur les Haïtiens qui vivent dans l'État Floride. Exactement. Loi ça, tout son loi que m'pas de voter pour lui. M'voter contre lui. Et son loi tout que tout le monde suppose qu'on est et m'ta conseiller sou gen ti famille parle avec yo tout di yo parle en jouré avec moun pa nan batè avec moun parce qu'on y a gon loi qui passé pour n'importe moun ka aller à son revolver yo pa besoin training yo pa besoin background check ou pa comprendre yo pa besoin faut ken recherche pour sou yo pour yo wè ke yo pa doué gen zam sou yo n'importe moun ka son zam depuis bilare le conceal carry depuis l'an poche ou pa kawel yo gen droit poter ça ça veut dire nous déjà ouais gen affaire santé mentale qui affecté tout trois quatre moun qu'on y a ou bien grand monde tout que surtout dans communauté pa nou haïtienne non pa quoi nan chercher aide pour aider mon nan l'gen santé mentale parfois dit mon nan oh c'est vagabond nan kol ou bien c'est tel bay non pa besoin la vin pi bon demain qui pa vrai. So n'a deal avec santé mentale problème qu'on y a pour nous venir mettre revolver quand qu'on open comme ça n'importe monde ka gagne moun nan ka camper dans market côté ou acheter moun nan gen revolver a soulé puis li dit oh passer devant et pour dire non et puis moun nan pour revolver al tirer. So to me quand qu'en anglais nous dit c'est wild wild west this is c'est comme ça la venir qu'on y a dans état Floride là à partir de loi a passé gouverneur a signé déjà. So m'a dit moun yo prend précaution non pas la ti moun yo di yo l'a courir machine dans la rue on moun mettre passer devant moun nan passer devant quitter mon aller préfère ou gain vie ou au lieu perdre vie non dans situation comme ça parce que gon bagay ki le road rage côté mon yo tout déjà either ou gain droit en tête ou bien mon nan mauvais sang pour ça passer et puis il gain revolver nan mel loi ça pas bon du tout parce que même mon qui pas doué par exemple mon qui ont arrêté déjà qui pas doué gain zam qu'on y a tout facile pour le gon zam even though que le pas doué pour tes zam nan. Gagnons l'autre loi qui porte nom Choice Bill qui soulise pour entrer en application dans l'État Floride à partir du 1er juillet 2023. Loi si là permet yon parent li capable choisir pour pas voyer petite l'école
et l'État dans l'État Floride a bon l'argent pour ça. Député Mark Hudson a ban nous plus de détails. Gon l'autre bill bien vite m'a dit qui passait, the choice bill, parental choice, qui on bill yo passé pour l'école publique yo. Donc on est qu'on y a la jude ou qu'a dit qu'on ça que ou pas appeler petit ou à l'école ou pas besoin qu'on degré dans éducation pour dire ou pas appeler l'école ou à enseigner la caillou. Sous dire ou à enseigner la caillou, yo ba 8500 dollars pour année que ou qu'a fait ça ou prend ça crive dans problème ça en pile monde pas comprendre. L'école publique yo teacher déjà pas touché pas gè ressources dans l'école publique yo assez pour ti moun yo konnya pour n'a retirer l'argent dans l'école publique yo pour nous ouvrir jouet la gè comme ça moun n'a pas besoin gè de gèl pas besoin gè li ka di la pensien la calé ça qui mal dans bill ça même l'on moun billionnaire ou met un millionnaire bon billionnaire ou aller au disa ya ba 8500 dollars comme on va tu sur mes amis si ti moun yo pas éduqué bien on konsa k passé y a vini lettre yo pap ka comprendre une série de bagaille le ça la vie a vini pi mal toujours si par exemple son m pa di gon parti nan bila sou gen petit ou ki gen autisme ou bien gon l'autre problème ou vle fè choix ça ou chèche un bon l'école ou metel ça c'est droit comme parent pa di ou non but afek yo ouvri ba la ba n'importe millionnaire billionnaire ça c'est l'argent k'ap sorti dans l'école publique et puis l'école publique a vinn pi mal ensuite tout le par exemple yo ba 8500 dollars ça ou al mette ti moun nan non l'école qui rele school of choice n'importe l'école voiture qui prend voiture ça le l'école la fermé par exemple si par exemple mon nan fin prend l'argent l'école la vinn fermé avant année a fini l'agence a pas retourné dans public school à côté timon n'a pas retourné dans public school là l'agence a arrêté avec mon yo qui était ba l'argent dans l'école là so bill ça grand pile monde qui t'a pensé son bon bill bill la grand pile négatif là dans le quelqu'un positif so m'a demandé nous partant de parce que autant de 8500 dollars pour nous pas prendre loi enseigner timon dans la caillou parce que vous voulez pour petit ou grandir pour le connaître ça qu'a passé pour l'intelligent pour qu'a fonctionner puis pour qu'a successful in life. Dernier moment m'a dit nous m'a dit tout le monde s'il vous plaît prend ça au sérieux. Il très critique qu'on a pour tout le monde registré pour voter. Pas dit que homme fâché avec administration Biden fâché avec administration ça c'est pas ça pour nous ouais. C'est pour nous ouais de collective. Collective mais nous toutes têtes ensemble pour nous ouais monde qui cherche même value pas nous pour nous essayer à voter pas chita la canou parce que son droit qui ont été bataille en pile pour nous gagner et nous en Haïti nous pas dit n'a pas voter parce qu'on peut al mourir dans ligne ceci cela et pas même gain bon élection mais ici nous gain droit faire ça nous un droit ça c'est pour nous exercer pour n'al voter m'pas dit nous pour n'al voter pour ceci pour n'al voter pour cela mais faire devoir nous garder ça qui a passé et comme son bon note tout m'pa vle seulement ba mauvais nouvelle bonne nouvelle m'a peine sorti ta la si là m'té passé deux bon bill ta la si et puis m'gagne 4.5 millions de dollars dans budget à tout que m'poté pour différents programmes dans six villes que m'responsable Hollywood Pembroke Pines Miramar Hollander West Park and Pembroke Park yo té ban moi sacré les appropriation project ça c'est pour projet qu'a fait dans communauté et m'poté l'argent ça au descend que m'travaille dans house et puis m'gain sénateur travaille dans sénat pour nous gain l'argent sur dans budget ensuite m'gon bill m'passé tout pour vétérans avec famille yo pour yo ka joine pour y aller l'école pour qu'ajoute un job dans travail healthcare so bill ça tout gain 2 millions de dollars que au bail pour bill là pour permettre ça fait c'est dit que me fait travail moi l'aime l'autre bois me travaille bien dû parce que me connaît que peuple là élu pour me faire un travail et me pas prendre ça à la légère me prend ça très au sérieux m'a travail bot me dit nous s'il vous plaît faites devoir nous essayer connait ça qu'a passé moi même capable avec nous n'importe l'heure que nous voulons prendre temps. Merci infiniment pour ton. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de connaître mon pas moi. Oui. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yes,
C'est la nouveauté, amis téléspectateurs, à Whoopi Culturel TV Show. Eh bien, on casse rendez-vous la semaine prochaine pour une plus belle émission. Comme elle est entrée, à la semaine prochaine. Whoopi TV, éducation, information, Production Television, un média communautaire et commercial. Tous les samedis et dimanches, 8h du soir, sur Télé Anacaruna, Rangé Chita, pour venir regarder Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale de tous les Haïtiens. Interview avec Atisio, promoteur fanatique culture haïtienne, et reportage précis sur la vie sociale des Haïtiens en Haïti et en diaspora. Roupi Culturel TV Show, chaque samedi et chaque dimanche, 8h du soir, sur Télé Anacaruna, avec Roupi.